Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mombana et dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire une guirlande ou hache de ballon pour une baby shower is a ball. C'est un tuto qui m'a été demandé par une de mes connaissances du nom de Aïcha. Donc aujourd'hui, je vais partager cela avec vous. C'est parti. Dans ce DIY, j'utilise deux différents types de couleurs, c'est-à-dire du blanc et du bleu. Au niveau du bleu, ce sont différentes teintes claires et foncées. Au niveau de la taille des ballons aussi, ce sont différentes tailles. Je mettais tout ça dans la barre de description. J'ai mon fil de pêche natté. Comme d'habitude, j'ai ma pompe électrique et ma pompe manuelle. Pardon, je vais gonfler mes ballons et les nouer par paire. En fait, au niveau des couleurs, tout dépend de vous, comme j'aime le dire. Mais aujourd'hui, je vais plutôt faire des formes arrondies. Donc, pouvoir faire des formes arrondies. Vu, mes ballons sont gonflés. Je laisse passer l'air. Et puis après, je les appuie sur moi comme ça. Vous appuyez les ballons. Ils aient cette forme arrondie. Hein. Voilà. Vous voyez? Donc, je vais les nouer. J'attrape les deux queues et on sait nouer les ballons. Ça dépend de vous, vous pouvez les appuyer sur la table, soit en laissant passer l'air, ou sur vous, comme je vous ai montré la première fois. Les ballons sont gonflés et noués par paire. Maintenant, nous allons passer à la phase d'assemblage. Pour assembler les ballons, j'ai décidé d'utiliser une technique que j'ai appelée boulon de ballon. C'est une technique simple, mais Aïcha, si tu trouves cette technique difficile, dans la barre de description, en dessous de cette vidéo, je vais mettre deux vidéos. Une vidéo, comment faire une guirlande de ballon sans stress, et puis l'autre, c'est comment faire une guirlande de ballon avec une aiguille. Le tuto, j'ai décidé d'utiliser mon fil de pêche natté. Que voilà. Ou sinon, vous pouvez utiliser du ruban, ou de la laine, tout dépend de vous. Non. Dans ce tuto, j'ai décidé de gonfler mes ballons de différentes tailles, c'est-à-dire j'ai fait des grandes, des petites et des moyennes. Et je les ai associées en fonction des tailles, en fonction des couleurs. Je vais constituer ma base de guirlande ou hache avec trois ballons. Ça, c'est un ballon de 16 pouces que je vais associer à ma paire. Trois ballons sont attachés. Je vais utiliser mon fil de pêche natté. Voilà, là j'ai mes trios qui sont attachés, qui vont me servir de base. Je prends ma première paire de ballons, je fais la forme de bite. Pour cette guirlande, je vais d'abord commencer par les paires qui sont un peu grandes et puis au fur et à mesure, je vais monter pour pouvoir donner cet aspect organique là à ma guirlande. Une autre paire pour pousser. Mon fil de pêche est posé sur la table pour pouvoir faciliter mon travail. Vous prenez les paires, vous les associez. Ne vous occupez pas, vous associez les paires. Voilà, vous continuez votre fil de vite. Vous poussez. Thank you.
ajouter la paix moyenne pour donner cet aspect organique là à ma guignon. Voilà. Cette technique est vraiment facile à faire. Et pour donner cet aspect organique là, je vais rajouter mes petits ballons. Je rajoute mes petits ballons pour donner cet aspect organique à ma guirlande. En fait, je préfère le faire comme ça parce que je trouve que c'est plus joli et puis je n'ai pas besoin d'utiliser de la colle pour pouvoir coller les petits ballons. Forme de 8. Voilà. Voilà, je suis presque à la fin. Je regarde, je mesure ma guirlande. Pour pouvoir attacher ma guirlande, je l'ai maintenue par la base avec un contrepoids. Si vous ne savez pas comment faire un contrepoids, j'ai mis le lien de la vidéo dans la barre de description. Et si vous ne savez pas comment attacher une guirlande sur le mur, j'ai mis aussi le lien de la vidéo dans la barre de description. Voilà le résultat final de la guirlande ou hache de ballon Theme Baby Shower is a Boy que tu m'as proposé, Aïcha. J'espère que tu aimes le rendu et que ça pourra t'inspirer. Au niveau de la finition, j'ai rajouté des ballons or et bleu à l'aide des élastiques. Ce sont des ballons de 5 pouces. Au niveau du nombre de ballons par couleur et par taille, je mettrai tout ça dans la barre de description en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner pour continuer à m'encourager. Merci et au revoir à la semaine prochaine.